Bienvenue dans cette vidéo pour la polarité Yang. J'ai déjà fait la polarité Yin, donc tu pourras aller la voir et voir dans laquelle des deux vidéos tu peux te retrouver à cet instant-là. Allez, allons-y, c'est parti. La polarité Yang peut être un homme ou une femme, hein, d'accord? De sexe masculin ou féminin. Ici, on est dans le domaine plutôt de quelqu'un qui est très dans l'action, qui peut être dans le contrôle aussi beaucoup, dans l'analyse, dans la stratégie, qui est plus justement cerveau gauche. Le yin est plus cerveau droit, hein, dans le ressenti, l'intuitif. Et le yang, eh ben ça c'est assez fou, tu vois, j'étais comme ça, j'étais en train de chercher la carte. La carte, elle fait une pirouette, tu vois, à l'intérieur du jeu, regarde. Voilà, comme ça. Et en fait, c'est fou parce que je retrouve exactement la même carte, oups, que pour la polarité yin. Il est exactement question de la même chose au centre. Donc, est-ce que nos deux polarités, là, on voit qu'il y a un équilibre, elles se retrouvent? Est-ce que ce voyage, c'est justement pour se... c'est d'abord pour soi, hein, mais du coup, elles se rencontrent en fait. C'est-à-dire que cette fois-ci, elles vont dans la même direction. Enfin, sont toujours allées dans la même direction, mais c'est vraiment, elles viennent à la rencontre l'une de l'autre, en fait. Leur chemin individuel, les prises de conscience qu'elles ont, leur permet, et ce qu'elles mettent en place pour elles-mêmes, leur permet de se retrouver finalement. Eh bien, on va voir. Ici, il est toujours question de la même chose, c'est-à-dire du voyage. D'aller vers de nouveaux horizons. Il est question de nouveaux départs. J'en ai déjà parlé pour la polarité yin, donc je t'invite à aller voir cette vidéo où vraiment j'ai pris le temps. Donc là, je resterai peut-être un peu moins longtemps dessus, mais c'est ça. Il est question de déplacement, de mouvement, d'aller vers un changement de vie qui peut être aussi radical, de déplacement. Ce sont les Argonautes, hein, c'est une troupe qui est organisée par Jason. Ils embarquent pour la Colchide sur le navire Argo. Et il est question de préparatifs de déplacement avec la constellation du dauphin qui est ici. Il va falloir du courage et de l'énergie avec l'ensemble floral qui est là, avec l'Iseron, Cartam et Genévrier, je crois qu'on a de souvenirs, je crois. Et il va falloir donc s'organiser et s'adapter avec la lettre N ici. Donc au niveau professionnel, ça peut être complètement un nouveau départ, un tournant. En tout cas, il est question d'un tournant dans la vie en général, quel que soit le domaine. Et puis, y avoir un développement très rapide dans la vie sentimentale aussi également. En tout cas, ça va bouger, il y a du nouveau à venir. Là, il est aussi question d'un nouveau départ. Donc au niveau sentimental, nouveau départ sentimental. On l'a aussi pour la polarité yin, mais j'en parlais pas de cette manière-là par rapport aux autres cartes que j'avais. Eh bien, il est question de ça pour la polarité yang. Nouveau départ au niveau professionnel, donc je te le disais, il y a des changements. En général, c'est une carte qui est plutôt favorable, donc ici on parlera plutôt de changement favorable. Néanmoins, il nous manque d'autres cartes, donc on va aller voir ce qu'on a d'autres aussi, hein, également. En tout cas, on parle de concrétisation, le yang concrétise, hein, c'est vraiment ça, pour faire aboutir des projets, pour avancer, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quel que soit le domaine ici, nouveau départ, voilà. En tout cas, ce que je peux sentir là, je suis pas du tout dans la même énergie que Lin Yin. C'était plus lent. J'avais une notion quelque chose de plus lent, plus ouais. Là, j'ai quelque chose de plus dynamique. L'énergie est pas la même, mais je pense que tu pourras l'entendre dans ma voix aussi également. Et je fais ces guidances aujourd'hui dans la même journée. Donc ouais. Je sens que déjà on n'est pas sur la même énergie. Pour un peu, tout à l'heure, j'avais envie de dormir. Hein. Voilà. On était sur quelque chose de très calme, de très posé, de relâchement en fait. Là, j'ai quelque chose qui... Ben, avec la polarité yang, j'ai cette notion de ligne droite, c'est-à-dire que cette polarité sait où elle va et puis elle met en place les choses en fait. Et puis j'ai l'impression que ça va aller assez vite. On va voir, peut-être que je me trompe, on va voir avec les autres cartes. Polarité Yang,
Fallait la canaliser, la ramener sur le chemin en fait. Yin, pardon, la polarité yin, excuse-moi. La ramener sur le chemin, elle avait peut-être plus tendance à. Voilà. À la dispersion. Et être un peu perdue sur le chemin à suivre, justement. Et on a vu que, voilà, il y a eu une belle guidance, justement, pour lui dire ce qui était. Ce qui pouvait l'aider, en fait, et pour lui donner un petit signe ou un petit indice sur la direction à suivre, sur ce qui peut l'aider à se réaliser et aller vers ce qui l'a fait se sentir bien, cette polarité yin. Et ben Yang, il sait où il va. Là, c'est directif, oui, c'est peut-être directif aussi d'ailleurs. C'est droit en fait. Ce que je voulais dire, c'est que ça c'est droit devant. Voilà, il sait où il va, il se dirige. Avec une carte, il sait quelles sont les étapes. Alors je dis, mais la polarité Yang peut être une femme. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'énergie ici. Tout est fait dans une démarche de changement pour le Yang là. Tout est vraiment fait dans une démarche de changement. Donc le Yin, on le poussait en fait. C'est comme si le divin poussait la polarité Yin à se mettre en marche, en route, dans le sens d'écouter ses ressentis, de vraiment s'écouter à l'intérieur et de suivre son guide intérieur. Le Yang, c'est complètement différent. Il sait où il va, quoi. C'est voilà. En tout cas, tous les projets qui sont bien préparés ici aboutissent. Et évidemment, ça peut être des projets pour partir en vacances pour le plaisir. Hein. Allez, on va voir de quoi il s'agit. Je pense qu'elle va être plus rapide, cette guidance-là. Plus facile pour moi aussi, j'ai l'impression. Oh ouais. Ah ben, il y a une notion de travail là. Hein. Il est focus, hein, la polarité yang. Alors, je dis il, mais je sais pas pourquoi je dis il. Encore une fois, ça peut être une femme, la polarité yang. Hein. C'est pas qu'un homme. Même si le yang est masculin, le yin peut-être plus une énergie féminine, c'est pas au niveau des sexes, ça peut être complètement inversé. Donc on peut avoir une femme pour une polarité yang et un homme pour une polarité yin, sans aucun problème. Et de toute façon, on a les deux polarités en nous. Hein. Donc nous voilà les étapes de notre alchimiste. Il a bien confiance, enfin cette polarité, on va dire, voilà, cette polarité yang a bien conscience. Elle travaille pour matérialiser ce qui est important, et notamment dans le domaine du cœur, avec le 10 de cœur. Et on voit bien que là, ici, si on voit le petit sujet qui est tourné vers cette carte-là, il est question de retrouver, de se retrouver, de faire un départ pour retrouver quelqu'un, pourquoi pas une femme ici aussi. Hein? Ou ça peut être une femme qui retrouve un homme. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc peut-être que ici, on te dit, on voit que les choses sont rapides. Hein. Je te disais, c'est rapide, j'ai que du rouge ici. C'est rapide, que du rouge. Quand tu as beaucoup de noir, sur une période de temps, c'est plus lent. Et là, sur une période de temps, c'est plus rapide. Et là, il est focus, hein, vraiment. On pourrait se dire, l'alchimiste ici, ça peut être une admiration exagérée. Mais là, si on regarde le petit sujet qui est là, on voit que quand même, c'est quelqu'un qui est concentré, qui fait ses efforts, qui sait dans quelle direction il va. Il n'y a pas cette notion d'admiration exagérée. C'est juste une question d'être focus pour réaliser ce qui tient à cœur avec ce 10 de cœur-là. Et notamment dans le domaine sentimental, on voit ici, il y a de beaux préparatifs. Qui se prépare pour aller vers quelqu'un et regarde ce que j'étais en train de. Donc je me suis retrouvée un peu coincée. Voilà, mon jeu s'est retourné. Regarde, je sais pas si je peux te montrer, je suis trop près. Comme ça. Voilà. Donc je vais prendre cette carte-là et cette carte-là. Donc pour aller retrouver, ben oui, puis en plus, regarde, hein, derrière, j'ai deux femmes en fait. Et... Voilà. Donc, alors, la deuxième que j'ai vue, c'est celle-ci. Donc, on la met là à côté. Et puis, en conclusion, on restera avec la dame de trèfle. Alors, si j'ai cette carte-là dans le jeu, c'est que notre polarité Yang, là, il se pourrait bien que ce soit une femme. Voilà, d'accord?
Voilà, donc ici la petite guidance peut nous dire hey, polarité yang. Tu peux te retrouver si tu es un homme, hein, ça ne, y a aucun souci avec ça. Si ça résonne pour toi en tant qu'homme, ne fais pas attention à cette carte-là. Et là, c'est vrai que on dit un petit clin d'œil en disant écoute, là il est question de féminin yang. Ah, ok, d'accord. Donc je mets ça là. Voilà, ça parlera à certaines. Du coup. Et on a encore notre dame de trèfle ici qu'on retrouve. Donc on a deux cartes identiques par rapport à la polarité yin dans la dernière guidance. Voilà. Elle est là en conclusion. Et j'ai quand même une carte en plus qui est sortie donc derrière celle-là. Du coup, je l'ai gardée dans la main. Et tu vois, on a encore du rouge, encore du carreau. Donc on a trois cartes de carreau. C'est-à-dire que là, ça va bouger, hein. Les choses vont bouger là. Ça va bouger. Beaucoup. Marrant parce que dans la polarité yin, la guidance pour la polarité yin était question de sortir de l'ombre. Peut-être pour que la polarité yang la voie. Là, c'est la carte des plaisirs, des joies et des plaisirs. Je parlais de voyage pour le plaisir ici. Étant donné que cette carte est sortie en plus, on me dit que c'est vraiment ça. Hein? Voilà, je la mets à côté ici. Il est vraiment question effectivement voilà, de voyage pour le plaisir. Ouais. Oui. Eh ben, on est toujours dans le domaine sentimental, ici, avec Vénus. On parle de communication, hein. Peut-être qu'il y a eu des reprises de communication dans un domaine sentimental, ici. On peut avoir des polarités yang aussi qui prennent des décisions de changement de vie pour se rapprocher de leur autre aussi également. Et ça peut être des décisions, du coup, bah, ça implique tout, hein. Ça implique le professionnel aussi. Mais on voit qu'on a quelque chose qui est vraiment non, qui est positif. On n'est pas dans la même énergie. En grande partie, on n'a que du rouge, quoi, hein, quasiment, sauf la dame de trèfle. Mais en grande partie, il est vraiment question de ça. En tout cas, il y a cette notion de déployer toute son énergie pour arriver à ce que la polarité Yang désire. Hein, on le voit avec ici Ulysse qui s'est transformé en marchand de frivolité pour aller chercher Achille. Donc il va se déguiser, il met en place une stratégie pour aller chercher le soldat le plus fort pour gagner la guerre. Et il se déguise. Achille est aussi déguisé parce qu'il est dans le harem de Lycomède également. Voilà. Et donc il va aller. Il va essayer de rallier Achille à sa cause. Eh bien là, c'est ça. Il y a une notion de stratégie. Alors ici, la personne peut passer pour quelqu'un de manipulateur, mais ce n'est pas le cas. Des fois, il faut savoir user de stratégie pour réaliser ce qui tient à cœur à partir du moment où ça ne dessert pas autrui, même si ça le sert, c'est encore mieux. Et se respecter soi et respecter l'autre. Ici, c'est vraiment les intentions sont bonnes et on te dit de continuer. Je dis tu, te, hein, mais c'est une manière de parler. C'est une guidance générale. Fais preuve de discernement et garde que ce qui résonne en toi. Je le répète souvent, mais c'est important. Voilà. Donc là, on te dit de continuer. Là, j'ai des personnes qui ont mis en place des projets. Qui ont commencé à passer à l'action. Si tu penses à un projet et que tu es prêt ou prête à passer à l'action, bah vas-y, continue, poursuis ton but parce que tes intentions, on te dit qu'elles sont bonnes. Et justement, on te dit aussi que peut-être, là j'ai peut-être des personnes qui n'étaient pas sûres ou qui avaient besoin d'être rassurées sur la direction qu'elles prennent. Peut-être que tu as eu des idées, tu dis ouais, je sens que c'est ça et. Eh bien, moi, je te dis, la guidance là te dit, oui, si tu sens que c'est ça, vas-y, tu es sur la bonne voie. Donc, continue de t'écouter toi, mais n'écoute pas l'extérieur. Tu vas faire face à des personnes qui vont être peut-être jalouses aussi et qui doivent certainement sentir que tu vas vers ton bonheur aussi et que tu es déjà dans ta joie de réaliser ce que tu veux réaliser. On te dit que continue parce que tu as toutes les capacités. Et l'intelligence pour réussir tes projets. Voilà. Donc n'hésite pas à faire preuve de stratégie parce que il n'y a aucun problème avec ça vu que tes intentions sont bonnes. Hein, elles ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Donc vas-y, continue. Ça va t'apporter encore une fois beaucoup de joie. C'est un changement qui apporte beaucoup de joie.
Voilà, de joie au niveau sentimental, de joie au niveau professionnel. Donc, c'est intéressant, on peut relier les deux guidances là. On a un yang qui sait ce qu'il veut et il met en place les choses et il travaille dur, il est concentré aussi et comme notre alchimiste pour y arriver. Il a une motivation, hein, c'est l'amour avec un grand A. C'est pas l'amour conditionnel ou l'amour possessif, hein. Et on te dit aussi d'utiliser ton charme, ton charisme pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Et donc, cette période-là avec le valet de carreau nous parle d'une rencontre. On voit bien que d'une rencontre ou de retrouvailles ici avec une personne qui est importante pour la polarité Yang. Ce n'est pas quelqu'un comme ça, juste une rencontre comme ça. Dans la plupart du temps avec le sexe opposé, mais ce n'est pas forcé bien évidemment. Ça peut être deux personnes du même sexe. Et en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que cette rencontre n'est pas banale. Voilà. Et n'hésite pas à mettre tes atouts en avant. Voilà. Pas pour écraser l'autre, mais vraiment parce que tu as tout ce charme, toute cette intelligence. Donc, pourquoi la chapeauter et pourquoi ne pas la mettre à ton service pour réaliser ce qui est important pour toi, ce qui te tient à cœur. Voilà. Tout simplement. Donc, ça va te demander du courage et de la témérité avec la lettre T. Mais on parle de triomphe aussi avec la lettre T. On a Populus, donc c'est vraiment ça, hein. Il y a une question de joie là, hein. Il y a une belle énergie là. On te dit que tu as bien eu raison de persévérer, quel que soit le domaine. Bon, là on est beaucoup dans le domaine de l'amour, mais aussi du coup le domaine professionnel est fortement lié. Parce que là, il y a T comme tremplin aussi. Il y a une notion de. Tu te retrouves sur un tremplin et pouf, tu fais un saut quantique quoi. Voilà. On a une polarité Yang qui n'a pas ménagé ses efforts ici. Hein. Ça revient, on l'a ici dans cette carte avec le grand sujet, on le retrouve ici. C'est... Voilà. Donc là, il y a un changement de vie et donc le rythme de la vie quotidienne va changer, va bouger là. Hein. Donc tiens-toi prête ou prêt. On est encore en lien avec... donc tout ce qui est artistique, on te demande aussi avec tous ces efforts et ce travail de venir te ressourcer dans tes passions, hein? Et on parle encore, on a aussi une polarité Yang qui a la fibre créatrice. Il y a toujours cette notion artistique, hein? Peinture, musique, théâtre, cinéma, ce que tu veux, tout ce que tu peux créer. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une polarité Yang qui va se créer et qui peut créer son métier aussi, hein, carrément, hein. Ça peut être l'écriture aussi, hein, l'artistique, ça peut être l'écriture aussi également. Voilà, en fait c'est un moyen d'expression, on voit bien avec Mercure, hein, expression, communication aussi ici. Donc ici, et Kobe, Balsamine et Dordatia te parlent de ça justement, de ce côté artistique là, on te dit que tu es doué, que tu as un talent artistique et ça revient encore. Donc en sachant qu'on a la polarité Yin, la polarité Yang en nous, ici il y a un appel à, en ce moment les énergies du moment, à vraiment se rendre compte de cette nature créatrice que nous sommes. Et que nous créons aussi notre propre réalité, que nous sommes l'artiste de notre vie, mais qu'il y a de réels dons artistiques. Mais ces dons artistiques, tu peux les utiliser, par exemple, si tu crées un projet ou une association, tu crées une entreprise, tu vas avoir besoin d'être très créatif. Et souvent dans différents domaines. Mais il y a peut-être un domaine en particulier où vraiment tu as cette... tu aimes peut-être ça ou tu as cette passion, tu as envie de le développer. Bon, là, en ce moment, la lumière est sur ces dons artistiques-là et tout ce qui a peut-être mis du temps, on en parlait pour la polarité Yin, à se mettre en place
En fait, c'était simplement pour que tu puisses rentrer encore plus, aller plus encore à la rencontre de ce don, améliorer tes compétences en la matière, les développer. Voilà, le temps, quand les choses ne se faisaient pas, c'est parce que ben, il était question de t'emmener au summum de ton art, en fait. C'est parce que ce n'était pas encore le moment. Et bien là, on te dit vraiment d'être dans ce déploiement. Et dans ce déploiement, tu peux venir déployer justement tes ailes avec nous dans la masterclass Sacré Féminin. Tu peux retrouver ça sur mon site internet sacré-féminin.com. Tu cliques sur Service dans le menu ou simplement tu peux cliquer dans le lien que tu retrouves sur mes profils YouTube, Facebook, Instagram. Il y a toujours le lien du site internet et tu verras qu'il y a le lien de la masterclass. Tu peux aller voir qui je suis pour savoir qui je suis pour t'accompagner à déployer tes ailes en tant que coach de vie. Je ne suis pas que cartomancienne, je suis aussi coach de vie, certifiée et professeure de yoga. J'ai été formée par l'école de coaching et intuition, l'union formation de Gilles Guyon et Vanessa Mixarek. Je t'explique tout ça. Je me présente, donc tu peux aller voir. Sur le site internet, tu verras, c'est un tout petit prix et je t'offre mes formations aussi. Tu peux aller voir. Je te laisse découvrir. N'hésite pas à me contacter en MP dans Instagram si tu as des questions. Et le mieux, c'est par email à lesacréféminin@gmail.com. Tout attaché sans accent pour m'écrire et me poser tes questions sur la masterclass justement. C'est un vendredi par mois à 19h. Tu as accès au replay. Pour le moment, je suis un vendredi par mois et peut-être que je ferai deux par mois si il y a une demande. On passe des bons moments, je te fais vivre de vrais outils de coaching et je prends ma posture de coach à ce moment-là. Et je t'accompagne et je t'emmène dans un voyage comme les Argonautes et je t'accompagne sur ce chemin. Et on passe toujours un très bon moment où justement je réponds à tes questions dans le chat après le vécu de cet outil. C'est un véritable outil de coaching que je te fais vivre. C'est toujours un bon moment, ça dure environ 1 heure, parfois 1 heure et un quart. Voilà, mais c'est toujours des bons moments. Des fois 1 heure et demie en fonction des questions que j'ai. Et bien là, il est question de déploiement et justement de déployer tes ailes. À 100%, j'ai l'impression que c'est le cas pour les deux polarités. Vraiment. Ici, tu vois que tu as Vénus et puis elle a un oiseau là. Elle est sur un nuage et il y a un petit oiseau. On voit que par le passé, notre polarité Yang, elle a peut-être eu du mal à se motiver pour mettre les choses en place et du coup, du mal à se concentrer. Eh bien ici, on voit qu'elle a repris, en tout cas, si c'était le cas, il y a une reprise d'énergie et là, ça avance. Le travail reprend, le focus reprend et on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. En tout cas, il y a beaucoup de belles choses. Il y a une notion de retour qu'on retrouve beaucoup. On verra ça plus tard. Mais il y a aussi cette notion de retour qui me parle dans le sens de peut-être qu'on a une polarité Yang dans l'illusion et que maintenant cette polarité-là voit les choses telles qu'elles sont, elle n'est plus dans l'illusion. Et il y a cette notion de suivre le flux de la vie, de pas être à contre-courant, mais de vraiment bah justement embarquer, prendre le bateau et suivre le courant en fait. Ce courant, il n'est pas extérieur, hein. C'est ce courant à l'intérieur, on te guide, ton âme t'appelle, elle te parle et tu es guidé, écoute ton guide intérieur. C'est ça, revenir à la réalité, pas ce que tu vois devant tes yeux. Et de voir les choses telles qu'elles sont aussi, hein, réellement. Hein. Les faits sont les faits aussi, de voir les faits tels qu'ils sont. Et du coup, ça me met en lien avec la guidance de la polarité yin, dans le sens où il y avait, j'en parlais tout à la fin de la guidance, qu'il y avait cette notion d'avoir été certainement déçu à un moment donné
parce que les choses attendues n'étaient pas là, n'étaient pas au rendez-vous, il n'y avait pas de réponse qui se manifestait, mais parce que c'était peut-être pas le moment, mais aussi parce que il y avait encore à travailler, à développer ses capacités, ses compétences. Il y avait cette notion-là, et donc il y avait peut-être un manque de réalisme sur les choses. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est complètement en lien là dans la polarité Yang à qui on a demandé de redevenir réaliste. Hein, donc, c'est-à-dire de lever le voile de l'illusion pour voir les choses telles qu'elles sont, et donc pour pouvoir, encore une fois, et c'est marrant parce que c'est beaucoup le cas, de se déployer, mais du coup, comme cet oiseau, je te reviens pour cet oiseau, pour pouvoir prendre ton envol. Et là, il est bien question de prendre son envol. Hein, on n'oublie pas, ça va apporter beaucoup de joie et de plaisir avec notre, ici, notre 8 de carreau. Voilà. Il y a de belles choses là. Je voulais aller voir donc Populus parce que on a Fortuna Minor ici et Populus ici en figure géomantique. Fortuna Minor, bon là ça nous parle d'opportunités à saisir hein, parce qu'elles ne vont pas se représenter. C'est la petite fortune donc il faut vraiment les saisir au moment où elles arrivent. Et puis Populus, c'est le peuple et ça nous parle de changement, d'innovation et donc de retour. On peut avoir le retour de quelqu'un ici aussi, hein. Voilà, on était beaucoup dans le domaine sentimental avec ce beau 10 de cœur. Ben là, on peut avoir le retour très clairement de quelqu'un. Oui. Et dans tous les cas, c'est beaucoup de. C'est vraiment aussi une notion de se renouveler, de changement, de nouveauté, d'innovation ou d'innover, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. D'où l'appel des dons artistiques, d'aller voir, parce que là, il y a peut-être quelque chose. Il y a vraiment un changement de cap là. Hein. C'est vraiment un changement, ça peut être un changement radical. Tu vois, de vie ou de profession, ça peut être complètement un changement radical de profession. Pas du tout, du tout dans les mêmes domaines. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a commencé au mois de décembre dernier, parce que Populus, c'est le mois de décembre, si je me. Ouais, non, oui, c'est bien ça, je ne me trompe pas, c'est le mois de décembre ici. Hein. Voilà, décembre et là, eh bien, Fortuna Minor, c'est le mois d'avril. Donc. Et c'était sur une durée de 1 mois, on est en mai, et bien c'est vraiment ça. Une belle évolution, des chances, des opportunités. Donc ouvre bien l'œil en ce moment, quoi, parce que ça peut, les opportunités, elles peuvent être là maintenant, en ce moment. Donc ouvre bien l'œil. Je voulais aller voir, oui. La dame de trèfle, on va revenir. Donc, on revient ici avec la dame de trèfle. Il y a beaucoup de questions du féminin ici. Il y a un appel au féminin ici. Sans. Il n'est pas question de féministe, hein, mais il y a vraiment cette notion peut-être au féminin de se relier les unes entre elles. Hein. Enfin, si on peut dire ça. Je ne sais pas si toi, tu le sens, mais moi, j'ai une notion là que le temps s'est arrêté. C'est fou, mais aujourd'hui, j'ai cette notion que le temps s'est arrêté. Alors, j'ai pris plus de temps pour moi. C'est peut-être ça, j'ai pu enfin me retrouver seule dans le calme avec moi-même et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé parce que comme j'ai eu mes 2 derniers petits, j'avais toujours un bébé avec moi. Et là, mais quel bonheur! Et du coup, ça m'a ramené encore plus dans le moment présent. Et j'ai cette notion toujours quand je suis, je dirais même pas à 100%, mais à 200% dans l'instant présent. Parce que mes pratiques quotidiennes, et puis notamment le yoga, m'y ramènent toujours, mais des fois, bien sûr qu'on en sort. Eh bien, j'ai toujours cette notion, cette sensation que le temps s'arrête et ça fait du bien. Il y a cet expire qui fait un bien fou. Et donc, du coup, je te partage ça. Voilà. Je venais donc sur la constellation de notre femme, F femme, notre dame de trèfle. Je parle de cette carte justement pour la polarité yin parce qu'il en était question. Eh bien, ici, la constellation, c'est justement l'ici et maintenant. Et c'est pour ça que je te parlais du moment présent. Cette carte-là, elle invite. Je parlais tout à l'heure, je disais que le yin était
plus dans peut-être la dispersion, plus dans, avait du mal à s'ancrer, plus dans des rêveries. Là, la polarité Yang, très clairement, elle ancre. Et puis on lui demande, on lui disait, je t'en parlais justement, de regarder les choses telles qu'elles étaient. Hein, d'être face au fait, à la réalité, de lever le voile de l'illusion et de voir que les choses, eh ben, en fait, elles se vivent ici et maintenant, au moment présent. Et en fait, l'instant présent, c'est fou en fait, parce que je te disais, le temps, ça, j'ai cette sensation de temps qui est arrêté là. Eh ben, c'est comme si on nous ramenait ici très fortement, justement, à cet instant présent, à ce moment-là. F comme fuite aussi, peut-être pour ne pas fuir aussi également sa réalité. Et il y a une, ça c'est quelque chose en fait qui est là pour rassurer, hein, pour rassurer. Aussi il y a un appel à revenir au moment présent, à l'instant présent, par rapport à ce qui peut surgir et venir. On se demande ici, on demande ici de se préparer. Voilà, de monter sur le bateau, de se préparer à ce qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'imposer, en fait, à soi. Une réalité qui va s'imposer à soi, qui va être, et ça va être de plus en plus fort. Et on dit de bien s'accrocher, de ne pas paniquer, de ne pas avoir peur. Parce que quoi qu'il se passe, on te dit ici que tu seras capable de faire face aux événements et d'affronter la situation, quelle qu'elle soit. Voilà. Et après, on n'oublie pas que après, et ça va aller vite en fait, c'est-à-dire que ça peut arriver d'un coup, hein, on voit que c'est très rapide, on voit qu'il y a un changement, il va falloir peut-être aussi changer ses habitudes, hein, également, il y a un appel à ça aussi peut-être là. Mais c'est pour le meilleur, avec cette carte des joies et des plaisirs, c'est vraiment pour le meilleur, voilà. Donc, on demande de ne pas fuir, mais de faire face. Ça, c'est très important. De faire face en étant bien ancré, comme est cette polarité Yang. Et en sachant que tu as toutes les capacités pour faire face à ça. Et que A, comme adversité, rend toujours plus fort. Voilà. Mais on voit que ça amène beaucoup de joie, dans tous les cas. Le 8, justement, le 8 de carreau, il nous parle de ses joies, de ses joies, de ses plaisirs. Mais ça peut être aussi avec un petit sacrifice en amont. Voilà. Mais on te dit dans tous les cas que c'est le moment de te lancer si tu as un projet, si tu as envie. Bah oui, si tu mets en place un projet, tu peux être face à une adversité aussi. Les choses peuvent être difficiles. Là, la situation actuelle amène peut-être beaucoup de personnes à changer de cap, à repenser leur vie, repenser tout en fait. Et en fait, c'est la guidance qui rassure les Yang en disant voilà, tu as la capacité, et même c'était pareil pour la polarité Yin, vous avez la capacité d'y arriver, de faire face, vous avez tout à fait les compétences pour y arriver. Vous êtes capable. C'est ça que veut dire la guidance, et celle pour la polarité Yin aussi. Les énergies du moment sont vraiment là. Attention, ça va bouger, ça va changer, mais vous êtes capable de faire face à ce changement qui sera pour le meilleur demain, qui apporte vraiment des réalisations, qui apporte aussi quelque chose de plus stable. Voilà, une stabilisation de quelque chose pour plus de joie et de satisfaction. Un véritable épanouissement. Voilà. Et je reviens sur notre fortuna minor. C'est la chance, elle passe. Il y a une fenêtre de temps, une ouverture qui est là, un portail qui s'ouvre. C'est le moment et on te dit de saisir cette chance-là. Voilà. On va aller voir Algariel. Donc ça, c'était pour la carte qui... C'est marrant parce qu'elle est venue en plus et elle était là pour dire... pour te faire un petit clin d'œil en fait. Et donc les cartes divinatoires d'Algariel, elles sont là, je ne les retrouvais pas. Donc hop. Donc si tu t'intéresses au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, tu peux aussi aller voir dans le lien sous la vidéo, tu auras accès à mon site ou sur Instagram, hein, dans mon profil, tu as le lien de mon site internet.
Eh bien, j'ai fait une formation sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aussi également. Si tu veux t'y initier, eh bien, je te donne toutes mes astuces, tous mes conseils. Et en fait, je te donne simplement l'initiation et tout ce qui m'a été donné. J'ai été initiée par une personne qui était médium voyante, médium et cartomancienne, pardon, qui le maîtrisait depuis une trentaine d'années. Et ça a été une rencontre particulière, incroyable. Grâce à ma maman d'ailleurs, et elle m'a initiée tout de suite en fait. Tout de suite, elle m'a dit: toi, ce sera ce jeu-là. Tu commences avec ce jeu-là. Je n'avais pas forcément l'intention d'apprendre à tirer les cartes en fait, c'était assez drôle, mais j'avais déjà appris la cartomancie ici. Voilà, ça m'intéressait déjà. Et elle m'a dit: prends ce jeu-là. Et en fait, elle m'a initiée oralement. Voilà, avec le jeu, bien sûr, devant les yeux. Et donc, je te retransmets aussi. Ça dans la formation du grand jeu le Normand, cette initiation et bien sûr bah, tout ce que j'en ai appris en 20 ans de pratique avec ce jeu, que ce soit pour moi-même ou pour les personnes à qui j'ai pu faire des tirages. Voilà, et il y en a eu beaucoup dans ce laps de temps-là, bien sûr. Voilà, allez, on y va. Hop, les cartes divinatoires d'Algar. Hop, 1, 2, 3, d'Algariel. J'avais mis le jeu à l'envers, mais il ne se lit pas à l'envers. Alors, on va en prendre deux. On va prendre deux cartes. Je préfère qu'il y en ait deux, en fait. Ça nous permet de voir ce qui se passe en ce moment et puis ce qui va advenir. Donc, on va prendre une. Bah, mais donc, c'est fou parce que l'énergie n'est pas du tout la même pour le Yang. Ça sort tout de suite pour le yin, c'était plus lent. Le yin était peut-être plus fatigué aussi, je crois, de souvenir. Le yin était plus fatigué. Polarité yin plus fatigué. Voilà. Alors, là, on a la tour. La tour, donc, on va commencer par la tour. Voilà. Parce que là, en fait, il se trouve qu'on a la tour et puis l'épée. L'épée qui est derrière, tu vois, avec la balance. Il y a une notion d'équilibre, hein, de trouver une stabilité, un équilibre. Et du coup, là, on l'avait vu, il y avait cette notion de force divine, hein, du divin, là, qui est vraiment important. Voilà. Alors, la tour, ici, c'est un symbole vraiment bah, d'ancrage. On parlait pour la polarité Yang, c'était vraiment cette notion-là. D'ancrage, la polarité Yang, ce sont des énergies, c'est l'énergie masculine. La polarité yin, l'énergie féminine. Mais encore une fois, ce n'est pas en lien avec le sexe. Hein, on peut avoir une polarité yin de sexe masculin, une polarité yang de sexe féminin. Voilà. Et là, la tour, elle représente du coup les énergies masculines. On est bien dans la polarité yang. Et bien, cette notion de force. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire qu'il y a une notion de force qui est donnée au féminin. Et oui, parce que dans le jeu, on a la carte de la femme qui est sortie. T'es très fort. Voilà. Et en même temps, effectivement, la carte d'une femme dans le tirage d'un masculin est aussi très fort parce que ça veut dire que c'est son autre et qu'il est fortement relié à son autre également. Voilà, que c'est la femme qui est pour lui. Dans le grand jeu Mademoiselle Lenormand, c'est ça. Voilà, petite anecdote. Ici, c'est la notion, le masculin, c'est tout ce qui est relié à la sécurité, à la matérialité aussi, hein, également. Et donc, ça renvoie au masculin, c'est-à-dire au papa, au grand-père, au mari, au compagnon, partenaire de vie, au frère, à l'ami. Voici la représentation de la carte aussi, hein. Voilà. Là, il y a une notion voilà, de sécurité matérielle, de besoin matériel. Et c'est tout ce qui va être mis en place. Et donc, faire preuve d'ambition. Il y avait cette notion d'ambition, mais qui était un peu plus mal placée, on va dire, chez la polarité yin. Même si on lui disait d'en faire, voilà, de faire preuve d'ambition, mais au bon moment, en fait. On retrouve ça là, ici aussi. Donc c'est une carte qui est très positive, la carte de la tour. Il y a cette notion d'atteindre son objectif et son but. Voilà. Grâce à la persévérance, à la détermination. Elle est là, en fait. En plus, c'est le 1.
un début, commencement, hein, nouveau départ, nouveau début. Il est question de te dire aussi que c'est le 1 aussi, c'est le chemin vers l'unité. Il est question, ça va venir, ça m'a traversé la tête là, j'ai oublié, mais ça va revenir. Oui, on te dit que ton choix est le bon. Voilà, on te dit que ton choix est le bon. Voilà, et là en amour, il est question d'une relation stable. Donc on voit que le yang, il va vers une relation stable. Mais on parle beaucoup plus que ça, parce qu'on te parle d'un amour qui est très fort, d'un amour qui est puissant. Voilà. Et on parle surtout de l'aboutissement d'une relation. Voilà. Évidemment, c'est une relation dans laquelle il y a cet amour avec un grand A dont je te parlais tout à l'heure. D'ailleurs, on a vu que, on n'a pas vu, mais sur la carte des plaisirs, on a le A. A, amour, avec un grand A. Et le A, c'est le 1, c'est l'unité, codification 1 pour la lettre A. Les deux polarités, yin et yang, justement, se rejoignent, les deux qui sont représentés par les deux bâtons du A se rejoignent au sommet du A, l'union est en haut, et on voit qu'elles sont reliées déjà, avant de s'unir, elles sont déjà reliées par le lien, par le trait d'union du A, tu vois? Voilà, bref, ça c'est le petit truc. Voilà, le A avec le grand A, l'amour avec un grand A, et c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment, c'est un amour basé sur... la confiance, sur la sincérité, il y a de l'admiration bien sûr entre les deux, de la complicité, il y a du dévouement, le respect, bon ben ça va avec la confiance aussi hein, également. Et là on a vraiment des couples qui se concrétisent. On avait vu qu'il était question de retrouvailles tout à l'heure avec un. Je t'en parlais, c'est ici. Attends, je vais retrouver là. Voilà. Le petit sujet qui est là, là, voilà. Donc c'est vraiment ça. On a une personne qui a une force intérieure, qui est ambitieuse et qui donnera toute son énergie. On est ambitieuse et dévouée hein, pour aider son prochain. Elle peut paraître dure hein, en apparence, hein, mais c'est vraiment une personne de confiance. Quelqu'un qui est loyal aussi, qui est courageuse, qui est ouais, forte, courageuse, qui a un fort tempérament, mais qui fait les choses, qui a de bonnes intentions. Voilà. Au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a toujours cette notion de réaliser, de réussite en fait, hein, au niveau professionnel ou pour une formation. Il y a la réussite, hein. S'il y a eu perte d'emploi ici, il y a une réussite dans la recherche d'emploi. Ça, c'est important quand même de le dire, vu les temps qui courent. Voilà. Ici, cette carte, elle est reliée aussi à tout ce qui est lié à l'histoire, aux métiers qui peuvent être reliés à l'histoire. Et bien sûr, la force, eh bien, c'est la maturité de l'âme. Hein? Ici, j'ai la polarité yang. Ici, on nous parle d'une vieille âme, d'une très vieille âme ici. Et du coup, avec une grande force spirituelle. D'où au niveau du personnage, une personne qui peut paraître dure, au niveau de la personnalité. Parce qu'en fait, derrière, il y a une force spirituelle, une grande force. Et elle en impose. On a une vieille âme ici, très clairement. En tout cas, un projet qui te tient à cœur, là, vraiment, peut se réaliser grâce à tes efforts. Si tu y mets tout ton cœur parce qu'il te tient justement à cœur et que tu fais tout ton possible pour y arriver, tu y arriveras. Voilà, je te le dis parce que c'est ce qui est en lien avec la force hein, aussi. C'est aussi cette force spirituelle avec l'épée là qui est là. En lien avec l'épée. Et bien justement, on va terminer et puis on va aller voir l'épée. On m'a donné beaucoup de joie cette polarité yang là. Polarité yin aussi, mais c'était. Je pense que j'ai. Ici, il y avait un collectif qui était plus fatigué. Là, on a de l'énergie là. Carte toujours positive. Là, on a deux cartes positives. Ben, la polarité yang dans les duos de flammes jumelles, justement, va impulser l'énergie et la polarité yin. On l'a vu, hein, l'aider aussi
se mettre en action. Et du coup, ces deux guidances, en fait, elles vont te montrer comment équilibrer ta polarité yin et ta polarité yang à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça, c'est cette notion-là. Et donc, c'est d'utiliser autant son cerveau gauche, polarité yang, que son cerveau droit, polarité yin. Donc, je reviens. Ici, c'est l'épée. Bah, l'épée, bon, tu as vu, hein, tu as l'épée, il y a cette notion de justice, on a la balance aussi, avec cette notion de justice aussi, qu'on trouve beaucoup dans la justice. Mais c'est aussi beaucoup la balance, cette notion d'équilibre. Voilà. Alors, cette carte, elle est très importante dans un tirage. Là, on voit bien qu'avec la tour qui est aussi très positive, elle annonce quelque chose qui va vraiment se concrétiser, vraiment se matérialiser, ce que... et puis qui est de l'ordre du divin avec le 1 ici. Voilà. On a quelque chose de stable, 31, 3 plus 1, 4, c'est quelque chose qui va apporter un équilibre, qui va apporter une stabilité, même si le chemin était peut-être un peu long, mais là, c'est la voie de l'âme, hein. Voilà, là, c'est la mission de l'âme, c'est le 1, là, c'est... Il y a force sur les événements, il y a puissance sur les événements ici. Donc ici, on va parler d'un couple qui est équilibré, qui arrive à son équilibre malgré les conflits. Et c'est quelqu'un, c'est un couple, en fait, qui peut-être s'est beaucoup disputé, mais malgré tout ça, la communication a quand même réussi à se faire. Parfois, les conflits servent en fait l'évolution du duo. Attention dans le respect de l'un et de l'autre. Hein. Voilà, pas n'importe quoi, on n'est pas dans une relation toxique ici. Hein. Et en fait, malgré les disputes, les conflits, malgré les désaccords, eh bien, le couple est équilibré et arrive à communiquer. Et en fait, par contre, dans ce couple-là, dans ce duo-là, il y a véritablement une relation qui est basée sur la loyauté. Il y a, je pourrais dire fidélité, mais le mot loyal, c'est vraiment beaucoup plus fort pour moi. C'est vraiment ça, c'est vraiment, il y a une question de loyauté. Et tout est clair, il n'y a pas de non-dit dans ce couple-là, tout est clair. Voilà. Alors, en cas de... C'est pour les personnes célibataires, la balance, là, et l'épée, et le... Voilà. Et le 1, en fait, vont te... Avec la tour, en fait, te dire de... Avant d'aller vers une autre relation sentimentale, ou d'aller vers une relation, tout simplement, il est question de trouver son équilibre et sa stabilité intérieure. La carte, ici, de l'épée, elle te dit ça. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Avant d'entreprendre, avant de commencer une nouvelle relation, et là j'ai des personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de sérieux aussi, hein, d'où le 1 aussi là. Ben justement, avant ça, il est question de retrouver ton équilibre. Voilà. Ici, avec cette force, cette épée, ça me fait penser à l'archange Michael, avec donc l'épée de l'archange Michael, qui donne cette force, cette protection, cette puissance là aussi. Donc, cette carte est reliée aussi aux anges et aux archanges, et donc à la communication avec tes guides intérieurs, avec les anges, avec le divin. Voilà. Et c'est toujours pareil, il y a vraiment cette grande puissance spirituelle. Aussi, exactement comme le 1, le 1, le divin. Les deux cartes là, les deux cartes, il y a cette notion d'assise spirituelle, il y a quelque chose de très fort. Pour ça qu'aussi ça m'a redonné de l'énergie. Ici, on est dans de hautes énergies. Ici, il est question d'une fréquence vibratoire vraiment plus haute, tu vois. Et comme si le divin avait pris les rênes en fait. On voit bien qu'on a vu sur la polarité yin que vraiment ça avance, il y a des joies qui arrivent, il y a quelque chose de bon qui arrive. Hein. On lui dit de se faire confiance, justement d'écouter son guide intérieur, parce que j'ai l'impression que le divin a pris les rênes là. Et puis dans les duos de flammes jumelles, ça y est, c'est parti quoi. Il y a vraiment cet appel, quand on a l'épée et la tour, à suivre la voie de son âme, à suivre son guide intérieur de toutes tes forces, de toutes tes forces. Ça, c'est le plus gros message là de ces deux cartes. Je ne peux pas te dire autre chose. Voilà. Eh bien, écoute, j'arrêterai là. J'espère que
cette guidance te plaira. Il y a aussi un petit appel au niveau de la santé à avoir une vie saine ici, peut-être à reconsidérer son alimentation pour conserver une santé stable ou booster son système immunitaire. Et si tu as été malade, on te dit que la guérison est proche et rapide. Évidemment, tu prends toujours conseil auprès d'un médecin. D'accord? Moi, je te donne juste, je ne suis pas médecin, c'est très important. Je te dis juste la signification de cette guidance ici avec les deux cartes, la définition des cartes divinatoires d'Algariel et surtout la carte de l'épée. Mais tu fais vraiment, je ne suis pas médecin, donc tu fais appel à un médecin. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de vie saine, donc de prendre soin de soi par l'alimentation, par l'activité physique, par l'eau que tu bois, par aller t'aérer, te mettre en contact avec la nature, par les relations aussi que tu as. Hein. Il y a peut-être des relations toxiques ou énergétivores qui vont s'éloigner de toi, de faire le tri aussi si besoin pour... Voilà, c'est un tout en fait pour retrouver cet équilibre-là qu'on retrouve avec la balance. Voilà. Merci à toi. On se retrouve dans les guidances du jour. Alors, je ferai une pause à l'ascension. Ça me fera du bien. J'en ai besoin aussi. Et en tout cas, déjà avec ces deux guidances, elles peuvent apporter que tu sois dans une relation de flamme jumelle ou pas. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait maintenant. C'est guidance flamme jumelle en séparant. Donc d'un côté la polarité yin, d'un côté la polarité yang, parce qu'il y a beaucoup à dire, donc je ne vais pas les mettre dans une même vidéo. Et du coup, ça peut aider, en tout cas je l'espère. C'est ne serait-ce qu'une personne, ça c'est toujours mon objectif. Voilà, une personne sur son chemin ou l'aider à y voir plus clair. Je suis juste la petite lanterne qui peut éclairer quelque chose et qui te fait entrer en résonance avec ça et qui te permet de voir ce que tu ne voyais pas, de trouver tes propres solutions, tout simplement. Voilà, merci à toi et on se retrouve dans la guidance du jour.